gars, donnez-moi un peu, donnez-moi 2 minutes, attendez un peu. Ok. Est-ce que c'est un peu, est-ce que c'est clair? C'est clair chez vous là? Si c'est clair chez vous, me faites signe, les gars. Connectez-vous rapidement, essayez de partager parce que quand on vous parle du régime BIA, vous croyez que c'est la rigolade. Vous croyez qu'on vient mettre nos vies en danger juste parce qu'on veut avoir le plaisir de parler. Eh bien, vous allez suivre attentivement, n'est-ce pas, cette vidéo que Franck Hubert Ateba a fait en direct. Excusez-moi, je vais rapidement mettre la vidéo là et vous allez la suivre. Mes chers compatriotes, Et ensemble, on va essayer de rendre cela un peu viral parce que le monde entier doit savoir ce qui se passe. Donc, connectez-vous rapidement le temps que je fasse les derniers réglages. Et puis, on va entrer dans le vif du sujet. Voilà, c'est bon. Donc, connectez rapidement. Quand on vous parle du régime BIA, vous croyez que c'est la rigolade. Eh bien, maintenant, quand c'est en train de cuire entre eux, les vérités sortent. Lui, Paul Motazé, n'est-ce pas, aurait commandité l'assassinat de Franck Hubert Ateba et de son frère. Il les a amenés à aller manger dans un restaurant où la nourriture était empoisonnée, selon les dires de Franck Hubert Ateba. Ce n'est pas moi qui dis. Donc, selon les dires de Franck Hubert Ateba, vous connaissez très bien Franck Hubert Ateba, c'est un ancien du MRC. Franck Hubert Ateba, c'est un ancien du MRC. Donc, il se serait fait empoisonner avec son frère et son frère est décédé. Son frère est mort. Pourquoi? Selon ses dires, il paraît qu'ils ont découvert un secret de Louis-Paul Motazé. Louis-Paul Motazé, que vous connaissez, la Motazé, le ministre de l'Argent, ministre d'une cape de Paul Biya. Donc, apparemment, Motazé serait en train comment dire, de commanditer, n'est-ce pas, sa prise de pouvoir ou alors la prise de pouvoir par son réseau. N'est-ce pas? Et aussi, il voudrait se venger de Biya parce que Biya aurait assassiné sa sœur, qui est Jeanne-Irène Biya. Et donc, lui, Paul Motazé, n'a jamais digéré ça et il veut se venger. Donc, les Francs Hubert Ateba, donc, ayant découvert ce qui se trame, ont décidé de mettre l'affaire au grand jour. Ils ont même averti Biya. Bon, Motazé, maintenant, ne voulant pas que l'affaire voie le jour, décide d'empoisonner Franck Hubert Ateba et son frère. Ce n'est pas Max Seigneur Ivoire qui dit, hein, ne partagez pas, restez là. Il faut appeler tous les sardinards qui sont en train de commanditer dans les forums WhatsApp comment ils vont chasser les Bamileke de Yaoundé. J'ai d'abord un message à dire à ces sardinards-là. Vous n'êtes pas le peuple bétis, parce que le peuple bétis que je connais ne fomente pas des coups comme ça. Vous, la petite milice-là, je vais vous toucher. On va vous toucher un à un. Soyez-en sûrs et certains. La petite milice qui est en train de s'arranger à vouloir créer le désordre tribal, la haine tribale au Cameroun, on va vous toucher un à un. Le peuple bétis ne se reconnaît pas dans vos bêtises-là. Le peuple bétis que je connais, que nous connaissons tous, n'est pas dans vos conneries. Et donc, maintenant, attendez, je vais juste un peu avancer comme ça pour que vous voyez. J'ai essayé de connecter à la télévision. Excusez-moi, hein, je vais me refournir mon matériel. Et je vais relancer les directs avec la grande messe, comme vous connaissiez, la grande messe que vous connaissiez avec tout le professionnalisme qui partait avec. Donc, là, nous sommes déjà un peu assez nombreux. C'est bon, je vais lancer la vidéo et que chacun écoute attentivement. J'espère que le son sera bon. Mes chers compatriotes, je voudrais vous dire que si je ne suis pas évacué dans les 48 heures qui suivent, je ne pense pas que Dieu me maintiendra en vie encore. C'est
Je viens de passer à côté tout à l'heure, il y a de cela une heure de temps. Et j'ai dit, si le président Biya ne peut pas me faire évacuer, je vais mourir. Partagez rapidement, 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 que les gens se connectent vite, vite, vite. C'est vrai que le direct a été juste... je n'ai même pas prévu de faire un live ce soir. C'est quand on m'a envoyé ça, j'ai pris le temps d'écouter attentivement. J'ai pris le temps d'écouter ce qu'il dit, ses arguments et tout, et tout, et tout. Et j'ai essayé de me renseigner à gauche, à droite pour connaître de quoi est-ce qu'il s'agit. Avant maintenant de venir vers vous, vous présenter cela. Et maintenant, vous allez faire de ça ce que vous voulez. Donc, je vous demande encore une fois de plus de faire tourner parce que... Le direct qu'il a fait n'a pas été assez partagé. Et notre rôle, en tant qu'activiste, en tant qu'influenceur, en tant que leader d'opinion, c'est de faire connaître la vérité. Parce que apparemment, selon ses dires, les journaux sont au courant, mais personne ne veut publier. Parce que tout le monde a peur de Motazé, du clan Motazé. Même RFI serait au courant, mais tout le monde a peur de publier ça, de partager. Donc, lui, il estime que son frère est déjà mort et donc lui aussi, il pourrait mourir dans les heures à venir. Comme vous avez écouté l'introduction de sa vidéo, dans les heures à venir, il pourrait mourir. Donc, avant de mourir, il fait cette révélation. Il fait cette révélation. Et là, il vous dit bien, il va vous dire dans cette vidéo que Paul Biya connaît tout ce qui se passe au Cameroun, mais il ne fait rien. Tant que son siège présidentiel n'est pas menacé, il ne se sent en aucun cas concerné par les problèmes du Cameroun. Ça, ce sont les gens, n'est-ce pas, qui sont à Yaoundé là-bas. Quand je dis les gens qui sont à Yaoundé, vous connaissez de quoi je parle. Donc, je vais vous laisser maintenant écouter la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés, ils vont venir et ils vont écouter plus tard. Ensuite, je vais donner mon point de vue sur la situation. Et après... Et je ne pense pas que je puisse encore résister... Le poison est en train de monter en moi. C'est l'eau qui me maintient en vie. On m'a donné un antipoison, on m'a dit de faire, de ne plus boire de l'eau et j'ai vu la mort venir. Ceux qui suivent ce message qu'ils demandent à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, de me faire évacuer dans l'urgence. Je mérite ou pas, ça c'est pas le débat. Mais je dis que si je ne suis pas évacué, quand je parle de 48 heures, c'est même trop dire. Si je fais l'expérience de ne pas boire de l'eau, pendant 2 heures de temps, je vais mourir. Dites au président Biya de me faire évacuer, parce que c'est son ministre qui nous a empoisonnés. C'est M. Louis-Paul Motazé qui a demandé que nous soyons empoisonnés dans ce restaurant-là. Et la personne qui s'est occupée de ces sales besoins s'appelle le commissaire Bidja Didier. C'est lui qui a décidé de ma mort, aidé par un certain Laté Hervé, qui dit être le SP de M. Pierre Mbappé. C'est lui, Paul Motazé, qui a demandé que mon frère et moi nous soyons empoisonnés. Ils ont loué pendant 3 jours un restaurant avec tout le buffet parce qu'ils savaient qu'il était probable que nous puissions arriver là-bas. Nous y sommes arrivés. Nous étions ce restaurant-là, dans ce buffet-là, seulement 2 clients pendant les 3 jours et on peut vérifier. Si nous étions dans un pays sérieux, le procureur de la République aurait déjà fermé ce restaurant. Il aurait déjà interpellé le personnel. Ils auraient déjà fait les prélèvements. Ils auraient déjà pu vérifier que je souffre du poison, que j'ai été empoisonné. Ils auraient au moins pu arrêter le chauffeur de mon frère qui savait que nous devons aller dans ce restaurant-là parce qu'il est allé quelques jours avant vérifier s'il y avait encore le buffet dans ce restaurant-là. Et c'est à partir de sa visite dans ce restaurant que nous avons été piégés. Nous allons être piégés comme des souris. Comme quand vous jetez les remèdes des souris et vous restez là, vous attendez voir que la souris vienne picoter.
Ils ont loué tout un restaurant avec tout le buffet. Je mets quiconque au défi de trouver un seul Camerounais qui va dire que ce jour-là, il a mangé dans ce restaurant-là au niveau du buffet qui a été réservé dans la salle VIP de ce restaurant anglophone. Au carrefour Tchinga, sur la route qui va vers Matamfen supérieur. Ce restaurant est là. C'est là où je trouve la mort. C'est là où mon frère a trouvé la mort. Et je le dis, je viens de passer à côté tout à l'heure. Je ne sais pas pour combien de temps je vais résister. Je ne pourrai pas boire de l'eau en dormant. Le poison qui est dans mon corps, ce n'est pas pour me faire vivre. C'est un poison qui est là pour me tuer. Et si je ne suis pas évacué dans les heures qui viennent, je vais mourir. Et que ce pays remarque que je serai mort, j'aurais au moins eu la chance que mon frère n'a pas eu. Dire qui m'a tué. Et les complicités, la police judiciaire connaît déjà les complicités parce que j'ai pu déposer, le procureur de la République est au courant de la liste des complices. Et je viens de écrire la liste des complices que je vais laisser, qui sera publiée. Le procureur le sait et ma famille va la publier parce qu'ils ne peuvent pas nous tuer tous au même moment. Je dis, Louis-Paul Motazé est celui qui a décidé que nous soyons empoisonnés pour un dossier qui va être publié aussi même après ma mort. Tous les Camerounais, tout le monde entier saura. Alors dites à Paul Biya que s'il me laisse mourir, il aura ma mort sur sa conscience. Il aura ma mort sur sa conscience. Mon frère a travaillé pour lui. Depuis que mon frère est mort, ni lui ni personne ne nous a appelé pour dire quoi que ce soit. Je l'ai formellement informé. Il n'a pas réagi. Je lui ai dit je meurs à petit feu. Mon frère lui a dit mourir à petit feu. Il n'a pas réagi. Quand on a 90 ans, on ne sacrifie pas les jeunes qui n'ont même pas 50 ans pour son pouvoir. Les gens qui disent Paul Biya sanguinaire, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas le président, peut-être, mais il voit faire, il laisse faire, et il sait les qui tue au Cameroun. Cette fois-ci, il sait que Louis-Paul Motazé a demandé que M. Nga Stéphane et son frère Ateba soient assassinés. Paul Biya le sait. Là où je parle, je n'ai même plus peur de quoi que ce soit. Je ne peux que le dire parce que si tu dois mourir dans 2 minutes et que Dieu te donne encore le souffle de parler, pourquoi ne pas parler? Et je dis au président Paul Biya, il sait ce que je suis en train de dire. Il sait pourquoi Motazé est en train de nous tuer. Il sait pourquoi Motazé a tué mon frère. Qu'il m'évacue s'ils veulent qu'ils aillent me tuer là-bas. Mais qu'il m'évacue et qu'il sache que si on va me tuer là-bas, si j'ai pu résister, si l'eau naturelle et les remèdes d'Afrique ont pu me maintenir en vie jusqu'ici, si vous entendez que j'ai pris l'avion et que je suis allé mourir là-bas, là on peut enlever le poison dans mon sang, sachez qu'ils m'ont tué. Sachez qu'ils m'ont tué. Je vous le dis. Et il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui le dira. J'ai la certitude à 1000% qu'ils ont décidé de nous tuer. J'ai aussi la certitude que si Dieu ne s'y mêle pas, je vais mourir. Encore que Dieu ne soigne pas le poison. Dieu m'a déjà maintenu en vie jusqu'ici. Il faut que le poison que j'ai dans mon corps sorte. Et il n'y a aucun hôpital au Cameroun à l'heure actuelle qui peut enlever ce poison-là. Il n'y en a aucun. D'ailleurs, aucun n'a détecté cela. Et s'ils ne peuvent pas détecter, je ne vois pas comment ils peuvent enlever quelque chose. Cuba, on peut le faire à Cuba. On peut le faire certainement en Allemagne. On peut le faire certainement en Belgique. On peut le faire certainement, je ne sais pas moi où. Mais j'ai été empoisonné par le ministre de Paul Biya, lui Paul Motazé. Motazé veut prendre le pouvoir. Il dit que Paul Biya a tué son frère et sa tante et il veut se venger. Voilà la réalité. Et les gens sont venus, il s'est confié à un PD. Et ce PD a confié ça à mon frère. Mon frère qui informait M. Biya de tout
ce qu'il avait comme information, a informé M. Biya que Motazé dit qu'il veut prendre le pouvoir parce que tu as tué sa tante Jean-Irène et son frère Motazé, ton aide de camp. Motazé a cassé nos bureaux pour avoir cette correspondance, croyant qu'il pouvait la consécuter. Quand il a découvert que la correspondance était déjà arrivée à M. Paul Biya, il a décidé de nous tuer. Peut-être parce que l'information est authentique. S'il veut qu'il envoie les gens venir tirer sur moi pendant que je parle, mais je viens de parler. Et je vous dis, c'est la vérité, la stricte vérité. Que le pays s'en souvienne. Que les générations futures comprennent que vous ne devez pas laisser les PD prendre en otage le pays. Que vous comprenez qu'on ne peut pas laisser le diable prendre en otage le pays. Ils vont essayer de dire que c'est Ngongo. Ils vont essayer de dire que c'est Bonayolo. Je ne sais pas si les ennemis de mon frère se sont associés. Mais ce que je sais, c'est que celui qui a posé le coup fatal, qui a pris la décision que nous soyons tués comme des rats, mon grand frère et moi, s'appelle Motazé Louis-Paul. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun journaliste ne parlera, parce qu'ils ont donné l'argent à tout le monde. Franck Hubert Ateba ne peut pas être en train de mourir à l'article de la mort. Son frère est déjà mort, mais aucun journaliste ne parle. Même tous les journalistes camerounais qui disaient qu'ils sont mes amis, aucun n'est venu me voir. Aucun. Aucun n'est venu me voir. Je suis là avec mon grand frère qui se bat pour moi, même à l'intérieur de ma famille. Il n'y a que mes deux petites sœurs, mon petit frère et mon grand frère Désiré qui sont là. Les autres, ils savent comment ce qui se passe. Je vous dis. Les gars, soyons responsables. Nous sommes déjà un millier. Le but, c'est de rendre cette affaire virale. C'est un être humain qui parle. Même s'il était devenu Sardina, on s'en fout. C'est un être humain qui est victime du système d'IA et qui a lancé une alerte. N'est-ce pas? Vous vous rendez compte qu'aucun journaliste ne veut publier cela parce qu'ils ont tous peur. Il va dire à un niveau que même RFI, il a mis RFI au courant, mais RFI ne veut pas publier cela. Ils ont mis même, apparemment, même l'ambassade de France au Cameroun bloque que RFI ne parle de cette histoire parce que c'est très grave. Il est de votre responsabilité de partager ça partout. Parce que je vois depuis là, on est seulement à presque 500 partages. Ce n'est pas normal, on est déjà à presque 20 minutes. On est peut-être à presque 20 minutes. Que chacun qui est connecté là partage un peu de partout où il connaît. On n'est pas ici en train de faire le Congo ça, les gars. Soyons responsables. On veut le changement dans ce pays ou pas. Une affaire comme ça qui éclate au grand jour et qui fait les choux gras de la presse et de tout ce que vous pouvez connaître comme médias peut changer beaucoup de choses dans ce pays-là. Ça peut même faire tomber le régime Biya. Parce qu'ils sont en train de se manger entre eux, les Louis-Paul Motazé à gauche, les Ngongo à droite et consorts. Ils sont en train de se manger entre eux. Et ce sont les faibles qui payent les pots cassés. Alors, s'il y a des gens comme Louis-Paul Motazé, ministre de l'argent, c'est lui qui gère les finances au Cameroun, qui peut avoir le toupet de commanditer l'empoisonnement des Camerounais. Même si ce Camerounais n'est plus d'un bord politique que vous aimez ou bien que vous appréciez, mais il reste un Camerounais. Et ce qu'il est en train de dénoncer là est très grave. Vous voulez encore quel genre de preuve? Quand c'est le Congo ça, le je ne sais pas quoi, vous êtes versé 30 000, 40 000. Voilà les choses de votre pays. Voilà les choses qui se passent dans votre pays. Voilà les choses qui se passent dans votre pays. Et vous êtes là en train de regarder seulement comme si vous regardez la télé. Vous avez peur de partager. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Si vous ne dénoncez pas ce genre de truc, vous allez encore dénoncer quoi? Mais pourquoi nous, les Camerounais, nous sommes comme ça? Donc parce que, c'est-à-dire, il n'est pas de notre bord politique ou alors il n'est pas de la basse, il n'est pas de ceci, on peut laisser cette histoire. Cette histoire va au-delà de ce monsieur. Ce monsieur est en train de dénoncer quelque chose de très grave. Un complot d'État. Il est en train de dénoncer quelque chose de très grave.
Paul Biya ne gère plus le Cameroun. Paul Biya est foutu. Il est fini. Ce sont les réseaux qui sont autour de lui qui maintiennent ce pouvoir en place. Et ce qui est grave, c'est que Paul Biya ferme l'œil. Aujourd'hui, là, c'est eux qui vont commencer la guerre. Et c'est qui va souffrir? C'est vos familles qui vont souffrir. Regardez comment ils n'ont pas le toupet. Ils commanditent, ils louent tout un restaurant pour assassiner un monsieur et son frère. Un monsieur et son frère. Quand ils dénoncent comme ça, là, ils se trouvent où? Il est au Cameroun. Hein? Ils dénoncent. Vous pensez que c'est la blague? Ou vous croyez que c'est le jeu? Les gars, balancez ça partout. J'ai dit balancez ça partout. J'ai vu quand il a fait cette vidéo, je vois, il a seulement eu 500 personnes qui ont partagé. J'ai dit merde. Quelle est cette irresponsabilité des Camerounais? C'est pourquoi je me suis levé de mon lit. J'étais couché avec ma femme tranquillement. Et je me suis levé et dit, chérie, je ne peux pas laisser cette histoire. Il faut que je rende ça viral. Et si je suis venu faire le direct et vous faire écouter ça, c'est pour que cette affaire-ci soit virale. Alors, si vous ne voulez même pas partager ma vidéo, ce n'est pas un problème. Allez sur la page de Franck Hubert Ateba et suivez cette vidéo et partagez-la. Voilà, c'est comme ça. Eh, bonsoir, Claude Amandibanque. Bonsoir, Président. Je ne t'ai pas vu là. Bonsoir. Bonjour. Pour une fois, quelqu'un qui veut mourir a la possibilité de parler parce que Dieu vient de me ressusciter tout à l'heure. Je devais mourir à 14h05. Mon âme était en train de quitter mon corps. Avec les prières de mon grand frère, Dieu m'a encore donné le souffle et j'ai réussi à boire de l'eau et cette eau-là m'a aidé. Peut-être qu'ils viendront incendier la maison. Je suis dans mon village en ce moment. Qu'ils viennent incendier le village, qu'ils tuent tout le monde. Que le commissaire Bidja paye les gens de la DGRE, qu'il paye tout ce qu'il veut pour calculer, venir me tuer. Mais j'aurais déjà parlé. Et je vous ai dit la stricte vérité. Ainsi soit-il, continuez de prier pour moi. Demandez à Dieu de pardonner mes péchés. Demandez à Maurice Kamto de me pardonner parce qu'il ne méritait pas que j'y sois combattu pour ce gouvernement. Il ne méritait pas ça. Maurice Kamto vaut mieux que ces gens qui sont au pouvoir. Et s'il vous plaît, peuple camerounais, ne laissez aucun PD diriger ce pays. Ne laissez aucun sataniste diriger ce pays. Ou pour récupérer votre pays, battez-vous pour que le diable ne prenne pas possession du Cameroun. L'heure est grave. Après M. Biya, ça sera toujours des sanguinaires. Ils l'ont encerclé. La chance que le Cameroun a eu avec Biya, c'est que il a déjà 90 ans, donc il n'a plus rien à prouver. Il sait tout ce qui se passe, il n'a plus les moyens physiques pour pouvoir faire le contraire. Il est obligé de les laisser faire et il les connaît tous, chacun par chacun. Mais si Biya ne demande pas au procureur de la République de faire arrêter Motazé et sa liste aujourd'hui pour l'assassinat de M. Nga et l'assassinat éventuel de celui qui vous parle, il a les moyens de le faire. S'il ne le fait pas, il faut se poser beaucoup de questions. Mais il le sait, Paul Biya le sait, que les Camerounais ne laissent pas ce pays pour nos enfants. Ne les laissons pas gagner. Battez-vous pour nos enfants. Ne les laissez pas gagner, s'il vous plaît, chers compatriotes. Si vous pouvez retenir quelque chose de moi, de mon passage sur terre, retenez que je vous ai supplié de ne pas laisser le diable gagner. De ne pas laisser ces gens gâter ce pays que Dieu a béni. Et ne leur faire jamais confiance parce que c'est un petit clic. C'est une bande d'individus. Je vais demander à mon grand frère d'être courageux. Si jamais je dois mourir, je mourrai en direct. Si j'ai la connexion, je vais lui dire, grand frère, prends ton courage à deux mains. Quand mon âme va partir, remonte en mon vision. Si vous raconte autre chose, c'est des conneries.
Mon grand frère a été vendu par son chauffeur. Il s'appelle Wanja. C'est lui qui a dit à Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo a réussi à retourner la femme de mon frère. Il l'a retournée. Martinez l'a mis de Bangui. Bangui qui a décidé, le colonel, je n'ai plus peur de lui, il me reste quelques heures à vivre. Donc je peux le dire. Le colonel Emile Bangui a dit que qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'on y saura qui est Nga Stéphane dans ce pays. Et Bangui est l'ami intime de Martinez Zogo. Et c'est Martinez Zogo qui a recruté la femme de M. Nga Stéphane. Et c'est la femme de Martinez Zogo qui a refusé d'amener M. Nga Stéphane à l'hôpital. C'est dans sa voiture que mon frère est mort. En faisant le tour de la ville, ils sont passés devant l'hôpital Djungolo, ils sont passés devant la clinique Jouvence, ils sont passés devant l'hôpital de Curie, ils sont passés devant l'hôpital de la CHU. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. Et c'est quand ils arrivent devant la mort de la CHU, ils arrêtent leur voiture pour dire, déclarer mon frère mort. J'étais dans la voiture de derrière, impuissant, parce que ça faisait 2 semaines que moi-même j'étais terrassé par le même poison. Mon frère est mort, je n'ai pas pu moi-même faire quelque chose. Le dernier effort que j'ai fait, c'est que je suis allé porter mon frère pour le mettre dans une voiture qui bloquait l'entrée de sa maison. Ça aurait été que l'entrée était libérée, je l'aurais mis dans ma voiture. C'est vrai que je ne l'aurais pas porté seul. Les gens que j'ai trouvés qui l'entouraient, ils ont mis la main quand je suis arrivé. Mais leur problème était qu'ils voulaient que mon frère meure là. Ils avaient déjà ouvert la malle arrière. Donc je vous dis, Martinez Zogo est celui qui a recruté la femme de mon frère pour vendre son mari. Et la femme a recruté un chauffeur qui s'appelle Owanja. Et c'est ce chauffeur-là qui va dire les faits et gestes de mon frère. C'est lui qui savait qu'on devait aller dans ce restaurant-là. Il a demandé, il a donné l'information. Et ils ont loué ce restaurant pendant au moins 2 jours. Vous pouvez vérifier l'information. Je suis sûr que tout le personnel de ce restaurant ne peut pas ne pas dire ce qui s'est passé. On ne peut pas interroger tout ce monde-là. Il n'y a pas une seule personne qui va dire ce qui s'est passé. Le buffet était payé pour 2 jours pour attendre 2 souris. 2 rats, M. Nga et M. Ateba, que le jour qu'ils vont venir, et sa femme, la femme de mon frère l'a laissé affamé, sachant que dans tous les cas, il devait aller dans ce restaurant-là. Pourquoi nous sommes allés dans ce restaurant? Parce que là-bas, on servait le buffet. On s'est dit, le buffet, on te sert, tu vois. On ne savait pas que les gens-là sont capables de louer tout un restaurant pendant plusieurs jours avec un buffet factice. Pour attendre, c'est lui qu'ils attendent. Lui-Paul Motazé est multimilliardaire en milliards, en milliers de milliards. Et il a mis le paquet pour tuer mon frère et moi. Je ne peux pas dire que je suis un dégât collatéral. J'ai été visé aussi parce qu'il savait que s'il touche mon frère, il me rate, je veux sauver la vie de mon frère. Et je sais qu'ils vont poursuivre pour venir m'éteindre. Mes chers compatriotes, ne vous laissez pas leurrer. Ne laissez pas Louis-Paul Motazé diriger ce pays après m'avoir assassiné. Ne laissez pas tout ce monde-là qui ont comploté pour assassiner mon frère, ne les laissez pas prendre ce pays, s'il vous plaît, mes compatriotes. La force du nombre, si 25 millions de Camerounais se lèvent, ils ne pourront rien. Si moi, à Teba, j'ai été touché, vous également qui me suivez, vous pouvez être touché. Ils pourront vous tuer aussi comme des rats et rien ne leur arrivera. Aucune enquête. Je suis arrivé chez le procureur de grande instance du Fundi le jour que je partais demander l'autopsie de mon frère. Il m'a dit, ah, monsieur Ateba, je savais. Qu'est-ce qu'il savait? Lui seul sait. Et je voudrais qu'on protège les enquêteurs qui doivent faire cette enquête à la division de la police judiciaire. Que ces gens soient protégés, parce qu'on va tout faire pour les tuer. Eux, ils connaissent déjà la vérité.
Ils connaissent la vérité. Tout le monde qui connaîtra cette vérité, on va essayer de le tuer. Parce qu'ils sont trop puissants, parce qu'ils ont de l'argent. Parce que Motazé a de l'argent. Et parce qu'il fait peur même à Paul Biya aujourd'hui, la quantité d'argent qu'il a. Je dis bien, les autres peuvent en profiter. Il y a beaucoup d'autres réseaux. Certes. Mais c'est celui-là qui a tué mon frère. Il y a eu peut-être un concours de tous les ennemis de mon frère. Mais je vous ai dit, la pièce maîtresse, Martinez Sogo, exploité par M. Bankui, Émile Bankui. Vous allez remarquer que dans tous les dossiers d'assassinat au Cameroun, quand on vous parle de l'assassinat des anglophones, quand on vous parle de tout ce qui se passe dans les régions anglophones, le nom du colonel Émile Bankui revient toujours à la surface. Ce monsieur, c'est l'homme du sale boulot dans ce pays-là. C'est-à-dire son travail, c'est d'éliminer toutes les menaces potentielles autour des réseaux qui sont autour de Paul Biya. Écoutez attentivement ce que je vous dis. Émile Bankui, on vous le dit ici tous les jours, ce monsieur est très dangereux. Je dis bien très dangereux. Le colonel Émile Bankui, il n'y a rien de sale qui se passe dans ce pays-là sans que ce monsieur n'ait sa main. Parce que c'est le patron du renseignement militaire. Oui. Continuons d'écouter et après, je vais faire mon commentaire et je clôt. Je ne suis pas en exil pour dire que je parle comme on dit à un jeune homme qui parle. Moi, je suis au Cameroun et je le dis et j'assume. Parce qu'il me reste combien d'heures en réalité? Rien du tout. Donc, j'ai plus peur de rien. J'ai même envie que la mort me prenne là en direct pendant que je vous parle. Joël Émile Bankui a recruté Martinez Sogo. Martinez Sogo a retourné ma belle-sœur à qui mon frère a tout donné. Il a pris une fille qui faisait le callbox. Il a fait d'elle son épouse. C'est elle qu'on a utilisée pour tuer mon frère. Si je regarde, je vais parler à la tombe avec. Les Camerounais doivent le savoir. Et qu'on aille prendre le FBI pour faire les enquêtes, ils verront que ce que je dis, c'est la vérité authentique. C'est le survivant. Ils n'ont pas prévu que je pouvais survivre pendant au moins 24 heures après mon frère. Ils n'ont pas prévu. Depuis hier, ils envoient mes petits-neveux qui sont restés orphelins de m'espionner pour voir où je suis, si je ne suis pas encore mort. C'est toujours cette femme qui manipule tout le monde pour savoir ma position, pour qu'ils viennent m'achever. Certes, ils vont s'attendre à m'attraper. Je pourrais fuir jusqu'où d'ailleurs que je ne fuis plus. S'ils veulent me tuer, qu'ils laissent au moins mes frères qui n'ont rien à faire là-dedans. Qu'ils les laissent, qu'ils viennent me tuer moi. Ils n'ont même pas besoin. Quand la souris a déjà mangé la chop d'ail, elle fait le bruit comme ce que je fais là, mais on sait qu'on est la fin. On sait que cette souris-là va mourir. Donc, j'ai la certitude que si on n'enlève pas le poison qui est dans moi, dans les 24 heures qui suivent, comme je ne peux pas boire de l'eau en dormant, alors je vais mourir. Je le sais. Dieu vient de me sauver une fois. Je ne sais pas s'il pourra me sauver deux fois. Grâce à vos prières, grâce aux prières du pasteur Désiré, mon grand frère. Parce que c'est lui tout à l'heure et devant témoin, un garagiste était venu dépanner la voiture lorsque mon âme voulait me quitter. M'avait déjà presque quitté. Et Dieu m'a remis pour me donner l'énergie que je vous parle là. On appelle ça le dernier soupir avant de partir. Les gars, arrêtez un peu le cinéma, s'il vous plaît. Je parle des personnes qui viennent faire des commentaires, genre tu combats Maurice Kamto. Maurice Kamto vous a demandé de tuer ses ennemis. Même s'il a combattu Maurice Kamto, ça fait quoi? Vous ne voyez pas là un homme qui est en train de souffrir? Son frère est mort des suites d'un poison que lui aussi a consommé. Lui, il a eu la chance parce que quand son frère est mort, c'est des poisons lents. Quand son frère est mort, il a vite commencé à aller prendre un traitement et tout ça. Il a risqué de mourir et lui, il vous dit là qu'il est en train de mourir. Il se sent mourir. Maurice Kamto ne vous a pas demandé de tuer ses opposants même. C'est-à-dire, quand le président élu sera au pouvoir, quand il sera au pouvoir, il aura des opposants. Il aura des personnes qui vont parler comme nous on parle là.
il aura des personnes qui vont le combattre pour prendre le pouvoir. Est-ce que vous allez tuer ces personnes? Donc, si vous allez tuer les opposants de Maurice Kamto, ça veut dire que mais vous êtes pire que le régime Biya. C'est tout simplement, c'est tout. Mais on est en train de là, il s'agit là de dénoncer ce réseau qui a pris le Cameroun en otage et qui assassine tout le monde autour. Il ne s'agit pas là d'opposants à Maurice Kamto, d'opposants à qui ou de quoi. Non. Il s'agit là du Cameroun qui est pris en otage par une bande d'individus qui se croient tout permis, qui croient qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, c'est qui? Avant, hier, c'était d'autres. Regardez les leaders anglophones qui sont morts comme des chiens dans des hôpitaux, d'autres enchaînés sur le lit d'hôpital. Vous croyez que c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est cette mentalité? Il faut à un moment donné qu'on soit responsable. On doit montrer à ces gens que nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas comme eux. Non, Prézi Clouaman, derrière ces faux profils, il y a des individus. Derrière ces faux profils, il y a des individus. Voilà. Donc, excusez-moi un peu. Je fais rapidement. Mon truc s'est verrouillé. Excusez-moi. Je continue. Alors, mes chers compatriotes, si vous deviez nous rendre hommage, Charles Ateba et Yéné, vous avez fait le tour de la ville avec son corps. Ces gens tremblaient tous. Franck Hubert Ateba vous demande de choisir l'hommage que vous voulez pour lui. Mais le meilleur hommage que vous allez nous rendre, c'est de ne pas laisser ces sadiques prendre le pouvoir. Désillusionnez-les, encore qu'ils n'ont plus 10 ans. Tous ont le VIH et tout ce que vous savez, ils vont tous mourir et ils le savent. Désillusionnez-les. Ne vous laissez pas tromper. Les PD ne doivent pas prendre en otage ce pays après Paul Biya. Il a laissé faire. Après lui, ne les laissez pas faire. Aucune puissance, aucune force ne peut rien faire contre l'armée d'un peuple. Un peuple debout qui dit non. Non au diable, non aux mauvaises pratiques. Ce peuple-là, aucune armée ne peut rien faire contre lui. Alors, levez-vous pour dire à monsieur... pour dire à monsieur Louis-Paul Motazi et les autres qui ne gagneront pas. Monsieur Louis-Paul Motazi, monsieur Ngongo, monsieur Vando Ayolo, messieurs des réseaux, vous n'allez pas réussir. Les Camerounais peuvent-ils savoir que depuis que mon grand frère est mort, monsieur Vando Ayolo m'a appelé au téléphone pour me souhaiter des condoléances. Il m'a dit, je t'envoie quelqu'un demain. Depuis là, silence radio. C'est lui qui m'a appelé, je ne l'ai pas appelé. Je lui ai rien demandé du tout. Il m'a dit, je t'envoie quelqu'un demain. Ils attendent que je meure, que je parte avec le secret dans la tombe. Mais vous l'avez, ce secret-là. Je ne partirai pas avec ce secret dans la tombe. Peut-être même qu'avec un peu de chance, je survivrai. Et je vais affronter ces gens-là devant le tribunal, si Dieu me donne la force. Je veux leur montrer que la force de Dieu, ils sont tout petits. J'ai résisté au poison jusqu'à ce jour. J'ai été empoisonné le 26 février. À l'hôpital, on n'a rien vu. Ils m'ont même mis sous le traitement anti-Covid. Mais j'ai dit, je suis né quelque part. Même s'ils ne peuvent pas stopper, soigner le poison, les herbes de mon village que ma grand-mère a laissées peuvent arrêter l'évolution. C'est ces herbes-là qui m'ont aidé. Il y a un prêtre qui a prononcé un nom, pas dans vos commentaires. C'est grâce à ce nom-là que j'ai compris que la pharmacopée camerounaise avait un puissant antidote qui ne peut pas enlever le poison du corps, mais qui peut stopper l'évolution. Et c'est ce puissant antidote-là qui me maintient en vie jusqu'ici. J'ai failli faire l'erreur aujourd'hui parce qu'on est venu me donner un autre médicament. On m'a dit que je ne boive plus de l'eau.
Dès que j'ai fait seulement 2 heures, mon âme était en train de partir. Grâce à Dieu, je n'étais pas seul dans la maison. Et grâce à Dieu, je peux encore parler. Mais pour combien de temps, j'en sais rien. Là où je vous parle, là, tout parle, tout ici, ça brûle. Je sens que ça brûle. Ça brûle là. Donc je ne sais pas combien de temps je vais résister. Mais je vous parle si c'est la dernière chose que je dois faire. Je vous parle. Et je vous dis, ne vous laissez pas avoir. Ne laissez pas ces gens vous avoir. Dès que vous entendrez demain ou cette nuit que je suis mort, demandez au président Paul Biya, le patriarche est quand, qui a la capacité de faire venir un avion de même du paradis pour m'évacuer. Demandez-lui pourquoi il m'a laissé mourir. Parce qu'il sait celui qui m'a empoisonné. Il sait que j'ai été empoisonné. Et il en a la capacité de tout faire pour que je sois évacué. Mais c'est silence radio de son côté là-bas. C'est silence radio. Mon frère a sacrifié sa vie pour son pouvoir. Pour le pouvoir du président Paul Biya. Le patriarche est quand que nous respectons. J'ai eu plus d'ennemis parce que je soutenais le pouvoir du président Biya. J'ai stoppé net la dérive d'un homme parce que j'estimais qu'il est pro-homosexuel et qu'il était téléguidé. Je viens de lui demander pardon tout à l'heure. Parce que lui encore, il vaut plus que ses assassins. Il est bien vrai, je vais dire, lui-même il n'est pas saint. Parce que toutes les agressions que j'ai eues, et ça aussi je dois le confesser, on est venu m'enlever chez moi. Peut-être c'était les élèves autour de lui, mais il n'était pas étranger de l'enlèvement d'avant les élections dont j'ai été objet. Je peux comprendre que quelqu'un puisse s'énerver parce qu'il est... Donc les gars, je vais couper jusqu'ici. Parce que l'essentiel a été dit. Je ne me lève pas à cette heure-ci pour faire des directs parce que je veux blaguer. D'ailleurs, je ne fais pas des directs pour blaguer de toutes les façons. Ceci est l'un des plus gros scandales que ce pays ait jamais connu. Un pays déchiré par la guerre, par la misère. 95% de la population souffre de la misère instaurée par le régime Biya. Les réseaux qui sont autour du régime Biya aujourd'hui sont en train de faire grave. Je vous ai dit dernièrement qu'on empoisonne les Camerounais via la bière. Vous faites comme si vous ne voulez pas comprendre. Ça vous regarde, c'est vos familles qui boivent. Moi, j'ai dit à ma famille de ne plus boire la bière. La personne qui boit encore ne me parle plus. Ces réseaux font tout pour maintenir le grand-père Sadina au pouvoir. Le grand-père Sadina a déjà plus de 90 ans, il ne peut plus rien diriger au Cameroun. J'ai dit rien, il ne peut plus rien diriger. Donc ce sont les réseaux, comme les Motazé, les Ngongo, les Vondoyolo, ce sont eux qui gèrent le pouvoir. Et ils se battent entre eux. Ils ont leurs petits secrets. Ils éliminent systématiquement toutes les personnes qui sont autour d'eux et qui veulent, n'est-ce pas, s'intéresser à ce qu'ils font. Vous voyez, le président élu, par exemple, qui est là-bas au pays, il est en grand danger. C'est parce qu'il a une grande force médiatique. C'est parce qu'il est très populaire que ces gens ne l'ont pas encore assassiné, parce que cet homme est un réel danger pour leur pouvoir. Il est en danger où il est. On peut le faire consommer un poison lent qui le tue après peut-être 2 ou 3 mois. Peut-être qu'il va même peut-être venir le tuer ici à l'étranger lors d'une tournée. Ce monsieur est en danger. Ce régime est un régime machiavélique. La responsabilité du peuple camerounais, c'est de faire partie de ce régime. Ces réseaux, les lui Paul Motazé que vous entendez qui tuent les gens, ce sont des gens qui ont des milliards gardés chez eux. Ils attendent seulement au cas où ça fait comme ça, ils fuient avec cet argent. Ce sont des gens qui ont tellement de milliards dans leur maison parce qu'ils ne peuvent pas mettre ça n'importe où dans les banques. On va leur demander, mais finalement, même c'est comment l'argent là, vous prenez ça où? Vous pouvez peut-être, certains peuvent peut-être rire quand ils voient
des personnes parler comme ça. Quand quelqu'un parle comme ça, étant au Cameroun, là, surtout quelqu'un comme Franck Hubert Ateba, c'est un homme politique très connu au Cameroun. Hein. C'est l'une des personnes qui ont formé, qui ont créé le MRC, d'après ce que je sais. Il était même au MRC. Je crois qu'il était secrétaire ou il était quoi, je ne sais plus trop, avant de démissionner. Mais il était au MRC. Donc, c'est des personnes quand même qui connaissent ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, lorsqu'il se met comme ça, là, il va se cacher dans son village. Il fait une vidéo comme ça, là, il balance sur l'Internet. Chacun doit se poser des questions. Et dans cette vidéo, il demande des excuses à Maurice Kamto. Parce que oui, ces gens l'ont corrompu pour qu'il combatte Maurice Kamto. Il a accepté peut-être parce qu'il avait faim. Mais aujourd'hui, il est victime de ce système. Et il comprend qu'en réalité, Maurice Kamto n'est pas un homme mauvais comme eux, ils lui avaient dit. Oui, parce que toutes ces personnes sont en train de bagarrer pour dire au peuple camerounais que Maurice Kamto est mauvais. Or, c'est eux qui sont mauvais. Ils sont en train d'éliminer toutes les personnes qui peuvent guetter le pouvoir. Et cette affaire-ci, quand on vous parle, quand je viens, je vous demande, rendez ça viral. Ce n'est pas parce qu'on veut protéger Biya, mais Biya, on n'en a rien à foutre. Le problème, c'est qu'après Biya, ces personnes ont déjà ficelé. Et ils ne laisseront personne prendre le pouvoir. La seule chose qui va les faire partir, c'est la rue. C'est les actions brutales. Je ne blague pas. Ces personnes, c'est des tueurs. Vous voyez comment vous arrêtez les petits bandits au quartier, vous les tuez, non? Pourquoi vous arrêtez les petits bandits au quartier, vous les tuez? Voilà les personnes. Et vous laissez les grands voleurs de la République. Ils continuent de voler n'importe comment. Non, mais comment est-ce que ça se fait que Facebook continue d'envoyer nos vidéos rien que chez les marabouts? Merde. Hein? Il faut que ce régime soit descendu de la plus brutale des manières. Comme on a vu au Sénégal, comme on a vu au Mali, comme on a vu en Algérie, au Burkina Faso, au Soudan, un peu de partout. Ce n'est pas une affaire de caresser dans le sens du poil. On doit les brutaliser. Mais moi, j'ai dit, on doit les brutaliser, ces gens. C'est des assassins. Aujourd'hui, c'est lui. Son frère est déjà passé. Son frère est passé. Lui, peut-être, il va passer. Demain, ce sera qui? Demain, ce sera qui? Ça, c'est-à-dire, c'est l'un des plus gros scandales que ce pays n'ait jamais connu. Et normalement, le peuple camerounais doit comprendre qu'il y a des sanguinaires qui sont à la tête de ce pays-là, qu'on doit déloger par tous les moyens. Ces gens ont confisqué notre pays, vous ne comprenez pas quoi. Ils ont confisqué ce pays, ils disent que le pays, c'est pour eux, ça les appartient. Et lui, Paul Motazé, dont on parle là, c'est l'une des personnes qui finance les affaires que vous entendez et quand. Oui! Les gens que vous entendez dire « et quand ?» Machin sous fédération « et quand de ceci ?» Fédération « et quand de cela ?» On va chasser les Bamileke de Yaoundé. On va chasser les Bamileke des grandes villes. Nanani, nanana. Les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Ce sont les motazés comme ça qui financent ces choses. Ce sont les motazés, les ngongos. Ce sont eux qui financent ces choses. Parce qu'il faut distraire le peuple. Et pour ça, ils ont des éléments. Ici, j'espère quand même que les Sardinales ont fait des vidéos ici où ils vous ont dit qu'on a donné l'argent et n'ont pas bien partagé. Donc voilà pourquoi moi j'accuse même encore certaines personnes qui sont ici en diaspora. Si vous connaissez là où les Sardinales qui distillent la haine tribale matin, midi, soir, qui sont payés pour distiller la haine tribale matin, midi, soir se trouvent, signalez-les, signalez-nous. Ces personnes doivent répondre de ce qu'ils disent. Parce que ce qui se prépare dans ce pays-là est très grave. Les gens ne peuvent pas créer des forums WhatsApp financés par les membres du gouvernement, par les lui, Paul Motazé, les Ngongo, les Vondo Ayolo, pour combattre une ethnie. Comment ça se fait? Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Ils savent que quand cette histoire va déclencher, ça va distraire la population. Et donc, il ne faut pas laisser ça. Il y a une grosse vache là, qui dit, qui s'appelle, c'est Berceau quoi, Berceau Cameroun, ou c'est Berceau quoi, qui passe son temps à distiller la haine anti-Bamileke sur les réseaux sociaux. Mon frère, j'ai déjà bloqué les marabouts jusqu'à je suis fatigué. Donc quand vous partagez, Facebook envoie seulement ça au Bénin, au Togo, chez les marabouts, parce que c'est le régime Biya qui paye pour ça. Mais ne vous fatiguez pas de partager. Vous voyez la grosse vache là, qui a des enfants, qui s'assoit tous les jours en direct sur Facebook et qui se met à accuser
tout un peuple, toute une ethnie. Comment est-ce qu'ils vont chasser les gens de Yaoundé? Comment est-ce que les gens vont commencer à payer les impôts pour rester à Yaoundé? Et il y en a qui appellent et qui parlent. T'as dit, tu sens la haine dans leurs paroles. Et toutes ces personnes sont financées par les Motazé, les Vondoyolo et toutes ces personnes que vous connaissez là. Ces gens-là, si vous les connaissez, signalez-vous, signalez-nous, ils sont où? Parler seulement sur les réseaux sociaux comme ça, ça ne suffit pas. Ces personnes doivent être inquiétées. Vous pensez que le génocide au Rwanda, ça s'est passé comment? Le problème ici, là, c'est que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux pour distraire le peuple camerounais, ces assassins-là, ça peut toucher la tête de certaines personnes au pays. Imaginez un peu que certaines Bamiléké commencent à dire, mais pourquoi vous parlez comme ça aux Bamiléké? Nous aussi, on va commencer à se défendre. Vous savez ce que ça peut donner? Vous savez ce que ça peut donner? Ce qui m'inquiète, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, parce que vous comprenez. Nous, on comprend. Mais il y a des personnes au pays qui peuvent se fâcher que, maître, quelles sont ces personnes qui insultent les Bamiléké? Et eux aussi vont commencer à insulter les bêtises et ça va commencer à être la guerre. C'est comme ça que le génocide s'est passé au Rwanda. On a fait croire à un peuple qu'ils étaient suprêmes. Et après, c'est devenu les mélanges et mélanges. Et au final, génocide. Regardez très bien dans ce pays-là. Je vous explique avant de couper le direct. Regardez comme celui que vous avez dit, Amer Kamer. Il avait menacé les Bamiléké ici, à Mondo Visuel et en Machette. Pourtant, il se trouve au Cameroun. Le Cameroun a une loi qu'ils ont votée dernièrement qui condamne le tribalisme, et les propos et la haine tribale. Pourquoi Amer Kamer, là, n'est pas inquiété? Celle-là, où elle s'appelle comment, c'est... Il y a une femme là comme ça qui a la bouche, t'as dit sa bouche, quand tu vois sa bouche, tu veux vomir, là où c'est Marie-Paul, Marie-Paul par exemple. Parce que toutes ces personnes-là, j'ai écrit quelque part, j'ai écrit leur nom partout quelque part, hein, ils répondront. On va mettre de l'argent en jeu en justice, ils vont répondre. Elle passe son temps à insulter les Bamiléké. Ou les Bamiléké leur avaient fait quoi, je ne sais pas. Elle est au pays. Elle n'est pas inquiétée. Pourquoi? Parce que les personnes qui financent ça, c'est ceux que vous connaissez là, les Motazé, les Ngongo et consorts. Regardez Berceau Bêtise là, la grosse vache là. Excusez-moi, je respecte les femmes, hein, mais l'autre là, je ne pense pas que c'est une femme. C'est un démon incarné. Elle ouvre sa gueule matin, midi, soir pour insulter tout un peuple. Si le peuple Bamiléké se lève pour marcher sur elle, elle va supporter? L'autre là, oui, celui-là, Amang Willi, j'ai tous leurs noms, les Atebankou, par exemple. Tous ces gars, ils sont ici en Europe, vous connaissez où ils sont. Il faut qu'on les cherche. Il faut qu'on cherche toutes ces personnes. On ne doit plus les laisser. On ne doit plus les laisser. Il faut qu'on les cherche, il faut qu'on toque à leur porte. Il faut que des procédures soient engagées contre ces personnes. Parce que ce qui peut ressortir de cette histoire peut embraser tout ce pays-là. On ne doit plus seulement parler sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Il faut qu'on cherche ces personnes-là. Oui, toutes ces personnes, les Cécile Mengue, je crois. Hein. Je ne m'occupais pas souvent de ces personnes. Même les Zogo. Ce petit connard qui me vénérait. Qui était content de prendre une photo avec moi. Aujourd'hui, il est devenu, t'as dit, il est devenu le plus grand haineux anti-Bamiléké qui existe sur la planète. Et il est là-bas en France. Il faut qu'on les cherche. Il faut qu'on les trouve. Il faut qu'ils répondent devant la justice de leurs actes. Quand on va frapper une, deux, trois personnes, les autres vont se taire. Les autres vont se calmer. Mais de toutes les façons, toutes les personnes-là qui passent leur temps a dit qu'ils vont chasser les Bamiléké de Yaoundé, qu'ils vont chasser les Bamiléké du Cameroun, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Préparez-vous. Préparez-vous. Parce que ce ne sera pas facile. Préparez-vous. Parce que façon vous vous préparez, c'est comme ça que nous aussi on se prépare. Façon vous vous préparez, c'est comme ça que nous on se prépare. Aujourd'hui, vous êtes dans des forums WhatsApp en train de réfléchir comment vous allez chasser tous les Bamiléké de Yaoundé, chasser les Bamiléké de ceci, chasser les Bamiléké de cela, non? Il n'y a pas de problème. Préparez-vous bien en venant. Parce que le vrai peuple camerounais va vous recevoir. Le vrai peuple camerounais va vous recevoir parce que vous ne parlez au nom de personne. Tous les gens là qui sont financés par les Ngongo, les Motazé, les Vondoyolo, les Atangandi, tous ces réseaux là, vous ne parlez au nom de personne. Le peuple camerounais va vous accueillir. Ne vous inquiétez pas pour ça.
Quand ces gens seront chassés, parce qu'ils ont l'argent, ils ont les clés des coffres forts de l'État, ils prennent l'argent, ils vous donnent. Ils prennent l'argent, ils vous donnent. Ça finit toujours. Ça ne dure jamais éternellement. Ça finit toujours. Et quand ça finit, même votre vie ne vous appartient plus. Parce que vous n'allez plus vivre. Vous allez vous cacher partout. Vous allez commencer à regarder. Peut-être vous allez même partir faire la chirurgie esthétique pour changer de visage. Et même si vous changez de visage, on va vous retrouver. On va vous retrouver, vous allez répondre de vos actes. Oui, voilà, même le petit connard là, celui-là, mais celui-là, si je l'attrape, je lui casse la gueule directement. Moi, je ne blague pas avec des gens comme ça là. J'ai dit, tous ces gars, j'ai dit, celui-là, oui, VP de Londres là aussi. On me dit qu'il est en Belgique, celui-là, il est en Belgique quelque part. Il faut qu'on retrouve toutes ces personnes. Le combat, on doit combattre un peu d'une autre manière. On doit retrouver toutes ces personnes. J'ai dit toutes ces personnes. Maintenant, pour finir, Monsieur Louis-Paul Motazé, Monsieur Ferdinand Gongo, je vous appelle encore monsieur parce que, bon, vous êtes des parents. Vondoyolo, Monsieur Atangandi, vous tuez les Camerounais, non? Vous êtes trop fort, non? Sachez que même votre cadavre ne va pas respirer. Faites tout, mais vivez éternellement. Vous tuez les familles des gens, vous tuez les gens à gauche, à droite. J'espère que vos enfants ne sont pas ici en diaspora. Parce que ces enfants-là vont retourner au Cameroun, retrouver les familles des gens que vous avez tués. Oui, ces enfants vont retourner au Cameroun, retrouver les familles des gens que vous avez tués. Vos biens que vous avez ici en diaspora, oubliez. Dès qu'on va détecter ça, et détecter le réseau par lequel vous avez acheté ça, parce que vous achetez les biens, vous mettez au nom des gens, on va détecter le réseau par lequel vous avez acheté ça. On va récupérer ces biens. Et les Camerounais vont vivre dedans. Tous vos biens immobiliers que vous avez ici, là, en Europe, oubliez. Nos dossiers, là, est lourd. On est dessus depuis un an et demi. Depuis 2 ans, on est sur ça. Quand on va finir avec ce dossier, oubliez. Toutes les maisons, Atangandi, tes maisons que tu as là-bas en Amérique, là, les Motazé, les maisons que vous avez ici en Europe et aux États-Unis, non, c'est pas aux États-Unis, c'est... Oubliez. Oubliez. Parce que nous allons récupérer tout ça. C'est notre argent. On ne se cache pas. On dit toujours ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. On ne se cache pas parce que ce qu'on fait n'est pas illégal. C'est l'argent des Camerounais. Les Camerounais ne vont pas louer. Payer le loyer de 1 000 euros, 1 500, 2 000 euros en Europe. Alors que vous achetez les maisons ici avec l'argent du contribuable camerounais. On va récupérer ça. Et les Camerounais vont vivre dedans. Pour rien. Vos biens que vous avez là-bas au pays, là, on va récupérer ça. Ne vous inquiétez pas. La révolution, ça ne fait que commencer. Parce que quand on va tous vous chasser... Attendez, je bloque encore les marabouts, ça c'est grave. Hein? Quand on va tous vous chasser, oh, même les Illuminati aussi viennent partager les choses dans mes directs, c'est très grave. Quand on va tous vous chasser, tout ce que vous croyez avoir collecté, vos comptes bancaires, n'importe quoi, tout ça on va récupérer. D'ailleurs, en parlant de comptes bancaires, nous sommes en train de travailler sur ça. Vos comptes bancaires que vous avez, même si c'est dans n'importe quel paradis fiscal, dès qu'on va détecter la banque, on va seulement aller, la banque là va seulement fermer. Si la banque là ne ferme pas, la banque là va virer tout l'argent que vous avez mis à l'intérieur. Là, elle va virer ça dans un autre compte qui sera remis entre les mains de l'État camerounais quand Paul Biya va tomber. Sinon, la banque là va seulement fermer. Si la banque là ne ferme pas, ils vont seulement tous nous tuer. Oui, parce que là, on est en train de détecter les banques dans lesquelles vous avez gardé une partie de l'argent que vous avez volé au peuple camerounais. Ici en Europe, en diaspora, tous vos comptes là seront gelés. Les comptes officiels seront gelés. Les comptes qui sont au nom des gens là, on va récupérer. Dès qu'on va savoir, on est sur le dossier, ça fait 2 ans. Et finalement, on va avoir. Vous croyez que vous êtes trop sincère? Là où votre sagesse finit, c'est là où pour nous commence. Et pour nous, commence même très loin devant. Voilà. Voilà votre fils, Franck Hubert Ateba, non? Vous voulez le tuer après avoir tué son frère.
Ok. Quand vous allez le tuer, ne restez pas mourir. Vous avez compris? Ne restez pas mourir. Mais nous n'allons pas laisser ça faire. Parce que si le monsieur s'y meurt, si le monsieur s'y meurt, je m'arrête jusque-là. Voilà. Donc, continuez de partager, les gars. Demain, on reviendra sur l'affaire Gervais Mendoza. Je pense que Calibri sera même en direct pour ça. Vous voyez comment Gervais Mendoza, dans quel état il est. Après avoir servi ce régime, vous avez vu comment on le traite. N'est-ce pas? C'est un Bamileke qui traite Gervais Mendoza comme ça. Gervais Mendoza n'est pas un écran. Regardez comment Gervais Mendoza est traité. On a fini de l'utiliser et on le jette comme un papier hygiénique après usage. Même le papier hygiénique après usage est plus important que Gervais Mendoza qu'on a vu là. Vous avez vu les photos du professeur Gervais Mendoza. Après avoir chanté à Simba, après avoir chanté pour Chantal Biya et consort, on met une fausse accusation sur son dos. Une fausse accusation. C'était un complot bien ourdi. Un complot bien ourdi pour le jeter en prison. Il est en prison depuis 2014 ou c'est 2013, je ne sais plus trop. On l'a condamné à 20 ans finalement de prison. Et le voilà qui est en train de mourir. Aucune preuve n'a jamais été... C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucune preuve de tout ce dont on l'accuse. On l'a juste condamné comme ça. Et c'est un écran, non? Mendoza, il y a encore les Mebengor, ils sont nombreux là-bas, non? N'est-ce pas? Ils sont en train de pourrir en prison. Pourtant, hier, ils étaient puissants. C'est pendant des moments comme ça que vous vous rendez compte que vous n'êtes que des êtres humains. Et nous tous, nous sommes des êtres humains, donc le sang qui coule dans vos veines, c'est le même qui coule dans nos veines. Donc si tu peux faire couler le sang des gens, ça veut dire que même ton sang aussi peut couler. Voilà. Passez une bonne soirée.